Alors salut à toutes et à tous, ici Opert, on se trouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 17. Donc c'est ma première vidéo sur FIFA 17. Je m'en excuse, ça fait une semaine qu'il est sorti le jeu et j'ai toujours pas fait de vidéo dessus, tout simplement parce que voilà, j'attendais par rapport à l'achat revente, par rapport à plein d'autres trucs. Et donc vous inquiétez pas, il y aura plusieurs pack opening qui arriveront dessus, comme plusieurs vidéos d'achat revente. Et d'ailleurs on est là, c'est pour vous faire une petite vidéo concernant l'achat revente, et plus particulièrement la Tech Avion et la Tech Avion Plus. Je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo afin de vous faire là les thunes sur FIFA 17. Voilà, moi là je suis actuellement à 350 000 de bénéf des transferts. Voilà, donc j'ai commencé il y a pas longtemps l'achat revente, un peu après que soit sorti FIFA 17, et je me suis pas buté quoi l'achat revente, et pourtant je me suis fait quand même 300 000 à peu près de bénéf. Donc je vais vous montrer ça, c'est vraiment simple en soi. Alors pour cette technique il vous faudra quand même une certaine base. Voilà, moi je fais vraiment que de la Tech Avion Plus et Tech Avion. D'autres me diront oui à la FUT Mili ou je sais pas quoi. Enfin bref, moi pour moi c'est celle qui rapporte le mieux niveau BNF. Et donc pour moi c'est la meilleure des techs. Donc en quoi consiste, déjà je vais vous parler de la Tech Avion Plus. Tout simplement la Tech Avion Plus va consister à acheter un joueur dans une fourchette, moi c'est ma fourchette de prix, hein. Dans une fourchette de prix qui sera entre 1000, c'est-à-dire voilà, il coûte entre 1000 et des joueurs entre 1000 et 5000 crédits, on va dire, voilà, des joueurs entre 1000 et 5000 crédits. Vous allez l'acheter, voilà, tout simplement, vous allez lui rajouter un style, lui rajouter au minimum 50 contrats et le revendre 1500 de plus. Voilà, vous allez faire que de le relister, voilà, de manière à qu'il parte à un moment donné. De toute manière, il partira. Après, je vous déconseille d'acheter des joueurs le week-end, parce que le week-end, il y a vraiment une hausse de prix, hein. Voilà, moi, les joueurs, je les achète le vendredi soir pour le week-end, parce que le soir, il y a une petite légère baisse de prix par rapport à la journée, tout simplement. Donc voilà, donc comme je vous disais, ça consiste à acheter un joueur en général, voilà, qui est entre 1000 et 5000 crédits, et après à lui rajouter un style et une cinquantaine de contrats. Donc voilà, après c'est vrai que pour les contrats, les styles, c'est compliqué quand on n'a pas ouvert de pack. Mais vous inquiétez pas que voilà, après vous déduisez le bénéf, la taxe, tout ça. Vous pouvez au moins, au minimum en achetant les contrats et tout ça, vous pouvez vous faire au minimum 800 de crédits de bénéf net par joueur. Donc voilà la liste, enfin les joueurs avec lesquels moi je fais la Tech Avion Plus. Voilà, les là, c'est ces joueurs là. Pour moi c'est ceux qui marchent le plus. Par exemple on a du Origi, franchement qui se vend énormément. De toute manière, tous les joueurs de BPL se vendent énormément. Puis après, on a Vela qui est pour moi le top, hein, tout simplement. Voilà, il coûte 4000 crédits, vous le revendez 5500, il part direct. Il y a, voilà, tu le revends au bout de 2-3 relances, c'est fini. Et voilà, même par exemple, t'es en cours ou quoi, tu prends ton téléphone entre l'intercours, tac, FIFA compagnon, tu relances, et tu verras au fil du temps, tu vas te faire là le bénéf. Après, Pedro, je l'ai essayé 2-3 fois. Il part franchement au bout de quelques relances, mais quand même voilà, Pedro c'est pas non plus une valeur sûre. Bolasie sûre, Schneiderlin surtout si vous pouvez l'avoir en MC, c'est le top, hein. Ou si vous avez un changement de poste comme ça, vous l'avez dans un pack, utilisez-le avec Schneiderlin, vous pourrez le revendre 3000 plus cher, donc ça sera vraiment du lourd. Ensuite on a du Blind, Benatia, El Sharawi qui marche vraiment, je l'ai essayé hier, j'en ai vendu 4 en même pas 2-3 relances, donc El Sharawi le top. On a du Welbeck aussi qui marche vraiment bien, voilà, comme c'est un buteur BPL et qui a des très, très bons stats, pardon, il marche vraiment. Muzanda, voilà, il coûte 1700, vous le revendez 3200, normal, hein, y a pas de galère. Et donc voilà, après, ouais, vous allez me dire, voilà, il y en a plus, il y a vraiment, vous pouvez le faire avec plus de joueurs pour ce qui est de la Tech Avion Plus, il y a vraiment beaucoup de joueurs. Mais moi, voilà, moi, je me concentre particulièrement sur ces joueurs-là, parce que pour moi, c'est ceux qui marchent le plus. Je vois pas l'intérêt de varier les joueurs, de prendre un tel, pour essayer ceci, cela, alors que voilà, j'ai ceux-là qui marchent parfaitement, tout simplement. Donc maintenant on va parler de la Tech Avion. La Tech Avion en fait qui consiste simplement, alors voilà, on va prendre la liste, qui consiste simplement en fait à prendre un joueur qui est au-dessus de 6000 au minimum, ou voilà qui coûte au-dessus de 6000, hein, 7000 on va dire. Vous le mettez 99 contrats, 99 de forme bien évidemment.
et un style, et vous le revendez 3000 plus cher. Après, c'est à vous de faire le calcul avec la taxe, hein. Donc voilà, vous le revendez 3000 plus cher. Moi, je le mets 3500, 4000 plus cher en, voilà, en déduisant voilà, les styles, les contrats, ceci, cela. Surtout que les contrats à 99 en ce moment, ils coûtent pas cher comment dire, sur le marché. Voilà, vous tournez les pages, vous allez jusqu'à au moins la page 20, 40 ou un bail comme as, et vous allez trouver des contrats à 99 à 500 crédits, ce qui est rien. Franchement, vous en investissez pour 10 ou 12 comment dire, contrats à 99, et au final, voilà, vous êtes gagnant. Donc voici les joueurs qui marchent vraiment pour ce qui est de la tech avion. Ce sont du Oscar, on a du Kane. Kane, je l'ai essayé hier, il est parti au bout d'une relance. Kane, c'est le top. Pastore, j'en ai vendu des dizaines. Verratti, Godzo aussi qui marche très bien. Bah là, je l'ai en MC. Normalement, il est en MOC. Voilà, j'ai réussi à l'avoir en MC en Tech 59. Parce qu'il y a beaucoup d'erreurs de prix sur ce Godzo, Verratti et Pastore. Ces trois-là, erreurs de prix au max. Verratti, je l'ai stoppé hier, comment dire, à 13 000 alors qu'il valait 19 250 pour vous dire les erreurs de prix. En plus, après, vous ajoutez la Tech Avion. Vous faites des masses de bénéf. Donc voilà. Ensuite, on a du Coman qui, voilà. Il se vend pas énormément, hein, sincèrement. Là, il veut pas partir. J'en ai vendu un au bout de 3 à 4 relances. Mais là, celui que j'ai, ça fait une journée que je l'ai, même voire deux. Et il veut pas partir. Thiago aussi, c'est comme Godze. Il part énormément. Ensuite, on a du Isco. C'est comme Godze. MOC, si vous arrivez à l'avoir en MC ou le mettre en MC, c'est parfait. C'est le top. Il part. Et ensuite, on a du Mascherano. Donc voilà, je prends pas une grande liste. Hein, je préfère vous dire tout simplement ce qui marche le mieux. Je vois pas l'intérêt, comme je vous l'ai dit précédemment, de vous donner une large liste avec des joueurs qui marcheront pas forcément. Je vous donne ceux que je vends tout le temps. Donc voilà, je vais vous montrer tout simplement pour ce qui est de la tech avion. Hein, tout simplement en live, on va le faire avec Verratti. Voilà, je l'ai acheté 18 000. Ok, tac. Alors vous allez vous lui appliquer un. Voilà, là je vais lui mettre une forme à 60, je m'en fous. Je veux qu'il ait 99. Tac. Vous allez lui mettre un contrat 99. Bon, en l'occurrence, il a déjà 31. Je vois pas l'intérêt de gaspiller un contrat 99. Je vais lui mettre des contrats sains pour aller jusqu'à 99. Ça va le faire très très rapidement. Très voilà, tac. On va mettre ça plus. On va mettre plus suite, tac. Voilà, 99 contrats, est-ce qu'il a déjà un style? Voilà, il a moteur, hop. En l'occurrence, je l'ai acheté, on a dit 18 000. Je vais le mettre à 21 500, il va partir. Donc le dernier, je crois, je l'ai vendu 22 000. Donc on va même essayer, vous pouvez même essayer de déborder sur le prix, hein, et après vous baissez petit à petit si vous voyez qu'il part pas. Donc voilà, c'était Calion très basique, vous avez vu, très simple. Il n'y a pas besoin de galérer. Après, c'est vrai que pour ce qui est du budget, la Tech Avion, franchement, je vous conseillerais d'avoir un budget d'au moins 200 000 crédits. Hein, ce serait le top. Après, pour ce qui est de la Tech Avion Plus, à partir franchement de 60-70 000 crédits, vous pouvez commencer. Donc voilà, pour ceux qui ont pas que des gros joueurs, qui ont des crédits, voilà, tout ça. Voilà, mais investissez, hein, dans la Tech Avion Plus. Et franchement c'est très lourd, hein. Je crois c'est le premier FIFA franchement où je commence vraiment l'achat revente, et c'est vraiment de la frappe. Voilà, par exemple là, bon là j'en ai aucun à part Origi. Bon là je vais pas vous montrer, mais en soi c'est vraiment simple. Là je vais juste vous montrer comment dire les ventes que j'ai fait ces deux derniers jours. Voilà, j'en ai fait 44. J'ai du Thiago, j'avais, bon on peut pas voir combien je l'avais acheté, mais il me semble que lui je l'avais acheté 17 000 en Tech 59. Voilà, 99 contre-attaque, il est parti. On a du Walcott aussi, j'ai oublié de le dire, en Tech Avion Plus qui part vraiment. Voilà, toutes mes ventes sont là. Voilà, donc on a du Bolassi en Tech Avion Plus, Muzanda. Voilà, Oscar aussi en Tech Avion, il marche. Voilà, Tech Avion, là je l'ai vendu. Là, Tech Avion Plus, on a du Kane. Voilà, tout ce que j'ai vendu. Après, voilà, lui j'avais essayé en Futumili. Bon, il a marché apparemment. Voilà. On a énormément de joueurs. Après, je vous montrerai aussi pour les plus petits budgets, dans une prochaine vidéo, la tech Futmili et la tech non rare, hein, qui vous permettra aussi de vous faire des thunes pour ceux qui n'ont pas de masse de budget, tout simplement, hein, histoire d'atteindre au moins, comme je vous l'ai dit, 70 000 à 100 000 crédits avec les techs que je vous présenterai prochainement, histoire ensuite d'attaquer la tech avion et la tech avion plus. Parce que voilà, c'est vrai que la tech avion et la tech avion plus, elle n'est pas accessible à tout le monde, j'ai envie de vous dire. Après, vous pouvez essayer même avec 20 000 crédits, mais le problème, c'est que voilà, vous n'aurez pas beaucoup de ventes, donc moins de bénéfices par jour. Il est là le souci, donc voilà. Donc moi je vous conseille d'attendre, au pire de faire là les matchs, essayer de gagner des divisions, tout ça. Et vous inquiétez pas.
En tout cas, moi, je vais vous laisser et aussi, je vais vous dire, comment dire, je suis en stream tous les mercredis après, les vendredis soirs et les samedis et les dimanches, tout simplement sur de l'achat-revente. Je fais les défis de création d'équipe parce que voilà, il y en a des nouveaux à chaque fois. Je fais les défis de création d'équipe en live, l'achat-revente, pack opening et tout ce que vous voulez. Voilà, donc n'hésitez pas à aller follow ma chaîne qui sera dans la description. Vous abonner pour les nouveaux sur ma chaîne YouTube. Likez cette vidéo si ça vous a plu, si ça vous a aidé. Bombardez-moi ça de likes si vous voulez aussi une autre vidéo sur l'achat-revente. Puis moi, je vais vous laisser. C'était Overtech. Prenez soin de vous. Ciao les gens.